Alors, notre banque est partenaire du PIL depuis l'origine, en 2011, parce que l'entrepreneuriat est tout simplement dans les gènes de notre banque, créée au début du siècle dernier par des entrepreneurs qui, à l'époque, se voyaient privés d'accès au financement. Et aujourd'hui encore, eh bien, notre banque est la première banque des professionnels et des entreprises au sein de nos territoires. Parce que notre raison d'être, eh bien, c'est précisément d'accompagner tous les entrepreneurs, quelle que soit la taille de leur entreprise, y compris bien sûr les étudiants entrepreneurs, pour développer leurs projets ici en Lorraine et dans la région Grand Est. Ce que je souhaite tout d'abord, c'est un très bon anniversaire au PIL, qui est en train, voilà, avec ce 10e anniversaire, de sortir progressivement de l'enfance pour entrer dans un âge peut-être un peu plus tumultueux, l'adolescence. Et ce que je souhaite tout d'abord, c'est que, eh bien, cette nouvelle décade, cette deuxième décade, eh bien, ne s'accompagne pas des crises qu'on rencontre souvent pendant cette période. Non, plus sérieusement, je voudrais vraiment souhaiter beaucoup de réussite au PIL, comme il y en a eu jusqu'à présent. Je lui souhaite de poursuivre ce travail de fond, ce travail très important, essentiel, vital pour nos territoires, pour y développer la culture entrepreneuriale. Parce que cette culture entrepreneuriale, eh bien, c'est la clé de la réussite future de nos régions, de nos territoires, pour voilà, créer des entreprises, créer des richesses, créer des emplois. Et je souhaite également beaucoup de réussite à tous les étudiants entrepreneurs en formulant le souhait qu'ils puissent créer leur entreprise au sein de nos régions en y créant également des emplois. Voilà, longue vie au PIL.